黒ひげが解き放ったレベル6の囚人の中に赤の伯爵レッドフィールドがいただろう。キャー、レッドフィールド。ああ昔白ひげやロジャーと共に騒がれていた男か。だが奴は時代に名を残すほどの男ではなかった。何を恐れる必要がある。奴の別名は孤高のレッド。徒党を組むことを嫌い、孤独を貫くことを信条としている。わかるか、奴はたった一人でロジャーや白ひげと渡り合っていたということだ。出迎えご苦労。なぜあなた方が、あんな奴の仲間に。仲間？我には仲間などおらぬ。ただの一人もな。年は取るものではないな。クードバースト！ヒャッホー！あ？おお、おいタヌキ、あれか、お前の言ってた約束の島ってのは。ああ、間違いねえ、あの島だ、ヌキキ。パトさん、短い間でしたが、あなたとの旅もこれで終わりですね。ああ、釣り上げたお礼の恩も忘れんなよ。鍋にされる前に止めた私への恩もね、ヌキ。チョッパー、辛いだろうが弟に別れの挨拶。俺はタヌキじゃねえ。どうしたのルフィ、なんだかとても嬉しそうね。匂いだ、あの島からものすげえ冒険の匂いがする。ものすげえ冒険か。たまにはタヌキも助けてみるもんだな。ヌキキ、恩返しになるか。なるか。引き返すぞフランキー。サンジ、海賊弁当大盛り。はいよ。Hey yo les amis, c'est Lucas et bienvenue pour ce nouveau Let's Play de One Piece Unlimited World sur PlayStation 3. Alors je pense qu'il va y avoir encore des cinématiques. Oui, donc je vais laisser ça et reprendre la parole juste après. Ah bah non. Alors voilà, ça c'est déjà la première chose super bien dans ce jeu, c'est qu'on n'a pas des écrans fixes. On a les personnages, bon, qui bougent un petit peu, et on a les voix, alors ça c'est très très cool. Donc apparemment, un certain pirate du nom de Redfield se serait enfui de la prison, donc après les événements de Marineford. Et là, donc, ça, c'est un spin-off, donc c'est une histoire parallèle à celle du manga, et donc on aurait sauvé un petit raton laveur du nom de Pato. Et donc on doit sensiblement l'amener sur cette île, mais je sais pas, il risque de se passer quelque chose. En tout cas très intriguant ce Redfield qui était avec Smoker et Okiji. On se demande un petit peu pourquoi, allez. Donc on se charge des prévisions. Voilà. Zoro. Ça commence. 5 minutes de vidéo, Zoro va déjà se perdre.
Ah bah bien sûr. Les boobs, ils sont abusés. En tout cas, l'univers et l'esprit de One Piece est bien là, donc ça me fait super plaisir. Ah oui, autre chose que je voulais dire là, il me reste 2 jours en fait. Alors attendez. Donc ça va être notre QG alors. Luffy. Direct. Je suppose qu'on va avoir un petit tutoriel du jeu. Donc j'allais dire, ouais, là il me reste 2 jours en fait avant de partir au Canada. Donc je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos sur le jeu One Piece. Pour vous en donner un maximum le temps que je serai en voyage. Mais je risque d'avoir du retard sur certains confrères. Donc moi je continuerai le let's play quand je rentre, donc c'est-à-dire mi-juillet. Donc là je vais faire que ça pendant 3 jours des vidéos du jeu. Pour que vous ayez vraiment le maximum de choses. Alors première chose à faire, trouver un endroit où manger. Les habitants peuvent peut-être me renseigner. Tu vas explorer toute l'île avec Luffy. Utilise Left pour te déplacer et X pour sauter. Utilise R pour déplacer la caméra. Appuie sur L1 pour braquer la caméra sur Luffy. Tu peux modifier les commandes de la caméra dans les options du menu pause. Ouvre ce menu avec Starter. Donc voilà, on est dans la ville. On peut sauter, comme je vous avais dit lors de ma review, quand j'avais été chez Namco Bandai pour tester le jeu. Ah, il a faim, Luffy. Donc, ok. Donc déjà, la première chose qui était dommage que j'avais fait part lors du petit rendez-vous, c'est que on n'a pas la carte directement sur le menu. En fait, tu dois appuyer sur Start. Et c'est un petit peu quand même embêtant. Alors comment... Je crois qu'on pouvait aller plus vite. En tout cas ça c'est bien. Mode genre Assassin's Creed. Oula, je vais avoir du mal à me repérer dans cette ville. Où est l'auberge? C'est ici? Elle s'appelle Yadoya. Va voir sur la grande place. Elle parle à quelqu'un là-bas. C'est l'endroit situé en bas de ces escaliers. Là-bas. Donc là, on va devoir affronter quelques petits gars. Si ma mémoire est bonne. Le fils qui se ramène comme ça au milieu. Il s'en fout, lui, il arrive au milieu de n'importe qui. Tu vas regretter. Ok, alors là, c'est parti. Utilise carré et triangle. Appuie répétivement sur carré pour faire un combo. Voilà. C'est du basique. Ça se veut pas du tout compliqué. Donc voilà, on nous dit qu'il y a la jauge de PV. Et la jauge de PS. Donc là, voilà. J'ai fait triangle entre temps. Pour changer un petit peu le combo. Mais ça change pas grand chose. Tac. Et une fois que la jauge de SP est remplie, en appuyant sur R1, on a une nouvelle Tech Nike. Boum. Red Hawk. Pour battre les voyous. Allez. Toi, mange-toi ça. Et ça, c'est le petit effet de victoire que je kiffe bien. Bon, le truc qui est un peu dommage, c'est que je pense que ça va être assez répétitif. Donc voilà, là on va sûrement bouffer gratos. Grâce à Luffy. Si tu n'es pas trop difficile, qu'est-ce que je te sers? Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font nos autres camarades? Ça sent le roussi pour eux. Il m'a l'air bizarre, Sanji. Alors, est-ce que ce serait un ennemi qui peut se métamorphoser? Usopp a l'air bizarre aussi.
Ça, ça doit être Robin. Oh, quelle poitrine. J'en reviens pas, j'en reviens jamais de la poitrine de Robin, c'est incroyable. Tu peux accéder à l'auberge. Donc, dans l'auberge, on peut se reposer, c'est ce que je vais faire. En fait, ça sert de point de sauvegarde, donc n'oubliez jamais d'aller à l'auberge vraiment pour pouvoir sauvegarder. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aux membres de notre équipage? On se connaît? Tu as déjà oublié, je suis la propriétaire de cette auberge. Ah, je vois, et ceux-là? Eux, ce sont de simples clients venus se restaurer ici, comme toi. Ce qui nous amène à la question de ton séjour. On ne fait pas de crédit, alors tu vas devoir payer si tu veux rester. Ah, je n'ai pas de berry sur moi, si tu veux bien attendre que mes amis arrivent. Bon, je veux bien effacer ta note, vu ce que tu as fait pour moi hier, mais à une condition. Quelle condition? J'ai une faveur à te demander. Si tu acceptes de m'aider, je suis prête à oublier ta dette et à prendre soin de toi et de vos amis. Quel genre de faveur? Luffy, on a des ennuis! Le petit raton laveur! Nani? D'accord, ils ont tous été enlevés. Bon bah c'est parti, on va partir à l'aventure alors. Bon bah c'est parti, on part à l'aventure alors. J'ai du mal à croire qu'on ait pu tous les enlever. Puisque je te le dis, j'ai tout vu de mes propres yeux. C'était ce type, il les a tous capturés et il les a emmenés à l'autre bout de l'île. Très bien, passe devant. On va parler quand même un petit peu aux gens. D'accord, donc il me dit en gros que les gens de mon équipage se sont enfuis. Avance vers l'inconnu et retrouve tes amis. Alors normalement là on va aller sur Punk Hazard. Bah voilà. Épisode 1. Souvenir. Donc c'est... Ouais, c'est... J'avais bien fait le début du jeu. J'ai dû faire la première heure de jeu. Donc là, on est balancé là-dedans. On sait pas trop pourquoi. Donc il nous a parlé de l'autre bout de l'île. Mais je crois pas que ça, ce soit l'autre bout de l'île. Là, on est à Punk Hazard. C'est un spin-off, hein. Donc l'équipage de... Des Mugiwara n'est pas censé être déjà venu ici. Bon, même si Luffy dit que il a déjà vu, c'est bien entendu pour faire un petit lien avec le manga. Bien entendu que nous on connaît Punk Hazard. Donc voilà, vous êtes plongé là-dedans et c'est parti. Donc il y a plein de petits trucs à aller chercher. Mais on va commencer avec un petit combat de boss. Bien entendu, le dragon de Punk Hazard. Oh bordel, il me tue le fils. Première chose qu'il voit avec un dragon, il a même pas peur quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est de la viande. Allez, c'est parti. Donc voilà, il y a des petits QTE pour esquiver. Hop. Donc tu peux appuyer sur R1 pour qu'il te redonne de la vie. Utilise la technique que tu as prise pour battre le dragon. Donc c'est la technique avec R1 je suppose. Bon là il fait rien. Allez c'est parti. Hop. Donc c'est simple hein. Quand vous voyez affiché esquive, vous martelez esquive. Et voilà, et ça passe. Vraiment pas compliqué. Ah oui, bon bah, là je me suis fait un petit peu poupite, comme on pourrait dire. Ok. Soigne-moi, petit raton laveur. Non, tu ne veux pas. Très bien.
Alors écoute. Aïe. Bon, en fait, c'est pas si simple que ça, esquiver. Hein. Allez, tiens. Boum. Vous avez vu toute la vie que ça lui a enlevé? Hop, esquive. Et là, je vais le finir, normalement. Voilà. Ta viande, je la veux. Donc, on va se faire un petit rôti de dragon. Tu manges même les dragons? Je n'aurais jamais imaginé. Je pensais que les dragons étaient rares, mais on dirait qu'ils sont partout ces derniers temps. Sanji n'est pas là, alors je vais juste faire un feu et... Hein? Ma viande, où est-ce qu'elle est passée? Oh, c'est vrai, quelqu'un vient de s'enfuir avec. Qui? C'était un drôle de type avec un rire bizarre. Ah, on a entendu... À votre avis, qui ça peut être? Un bruit de... Ah, j'ai gagné un niveau. Est-ce qu'ils vont expliquer le système de niveau? Pas encore. Bon, tout ça de façon, après on aura une petite introduction pour que je vous montre tout ça. Ah, salut les copains. Voilà, donc voyez, vous pouvez avoir un combat en plein milieu. Ça ne dérange pas. Et donc vous gagnez... de l'argent et des objets surtout quand vous détruisez des trucs comme ça. Ok, donc là je vais du bon côté, donc ce qu'il faut c'est un peu aussi de l'exploration hein. On va aller voir un petit peu là-bas. Non, c'est bloqué. En tout cas c'est assez intriguant, il y a quelqu'un qui s'est quand même enfui avec tout l'équipage et là avec un dragon. Bon, on sait que c'est César, mais bon, j'ai l'impression qu'il y avait un truc caché derrière, mais en fait non. On peut aussi casser les petites fleurs. Donc pour ceux qui ont déjà joué à One Piece Unlimited Cruise, bah c'est le même gameplay en fait. C'est la même chose. Enfin la même chose, en amélioré bien entendu. Master. Donc c'est bien parce que c'est à la fois un spin-off. Donc c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas rattrapé le manga par exemple, bah ils peuvent y jouer. Mais en même temps, il y a des clins d'œil pour ceux qui suivent l'animé. Et ça, je trouve ça vraiment super. Sokoda! On ramasse toutes ces petites orbes. Bon, en tout cas, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il nous a emmenés là sans trop rien nous dire. On sait pas trop ce qu'on vient faire ici pour le moment. On est à la recherche de celui... Allez, toi, casse-toi. Je vais leur faire un petit Red Hawk. Boum. En tout cas, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de techniques. Vous voyez qu'il y a carré, triangle, croix et rond. Et en plus, il y a des niveaux sur les techniques. Donc peut-être qu'on va pouvoir améliorer cette technique. Pourquoi pas? Moi, je dis oui. C'est pas de là d'où je viens? Non. Ok. On va ouvrir ça. Ferraille rouillée. Ouais. Sokoda! Donc là, il va falloir quelque chose de spécifique. Certaines zones contiennent des lexicrans ne pouvant être franchis qu'à l'aide de mots-clés. Trouvez le bon mot-clé et tu pourras déverrouiller et franchir n'importe quel lexicran. Examine un lexicran et tu recevras un indice sur l'emplacement de son mot-clé. Utilise ces indices pour retrouver les mots-clés dont tu as besoin. Le mot pour ce lieu a disparu. Élimine les ennemis en combinaison protectrice et obtient le mot. Donc en fait, bon, c'est beaucoup de parlotte pour pas grand chose. Hein. Il y a juste à aller péter la tête de certains petits gars, voilà. Ah d'accord, je me suis pris le boulet de canon. Il est mort? Il est pas mort encore? Ok. C'est parti! Ah, normalement il est mort. Oh, ils font de ses cris quand même, les pauvres. T'entends? Moi je prends tous les objets, ça peut toujours être utile. Hop, petite réflexion. Jetto Gatoringan!
Putain. Eh, vous êtes coriaces, hein, les gars. Allez, tiens, une petite réflexion. Et on a trouvé le trésor. Un trésor ? Luffy essaye de l'ouvrir. Alors dites-moi si vous préférez que je fasse les voix des personnages ou pas. Ça peut être mieux parce que bon, vous pouvez faire quelque chose entre temps. Les mots de puissance sont des cris spéciaux qui renforcent les capacités de l'équipage. Ils se répartissent en trois catégories distinctes. Technique, aptitude et objet. Mot technique, obtient ces mots pour renforcer les capacités de tes personnages. D'accord. Mot d'aptitude, équipe-en tes personnages pour renforcer leurs capacités. Alors quelle est la différence entre capacité et aptitude, je sais pas. Mot d'objet, place-les sur la palette pour pouvoir les utiliser librement. Tu découvriras de nouveaux mots de puissance en progressant dans l'aventure. Sélectionne info dans le menu pause pour consulter la liste des mots de puissance disponibles. Attention, tu dois retourner en ville pour pouvoir t'équiper de ces mots de puissance. Très bien. Donc je suppose que là j'ai pas le mot de puissance équipé automatiquement. Hop. Et voilà. Le mur a disparu. Continuons. Donc moi, voilà, c'est ce que je disais. Je parle, je fais les voix parce que je suis conscient que vous pouvez être en train de faire d'autres choses. Donc si par exemple vous faites autre chose, bah au moins vous continuez à entendre ce qui se passe. Et comme ça, vous n'êtes pas perdu au niveau de l'histoire. Hop. Est-ce que ce sera suffisant pour les battre? Normalement, non. Paf. Voilà. Jetto Bazooka. Il lâche des petites pièces, c'est sympa. Oula. Tac. Vous ne m'avez pas eu. Je vais choper. Tac. Tac. Ça va, ça va, ça va. Je suis en train de faire le taf. Donc lui, normalement, il crève. Ah, putain. Merci de me soigner, mon petit pato. Pato, je sais plus ce que ça veut dire en espagnol, mais ça veut dire quelque chose. Victoire, nickel ça. On récupère tout ça. Et on se prépare donc pour le combat de boss que je vous avais montré un petit peu lors de ma vidéo présentation du jeu. Allez hop. Ah d'accord, avec les réflexions, on les tue en un coup. Bon bah, j'utiliserai plus de fois cette petite réflexion, tiens. Ok, là, y a rien. Graphiquement, le jeu est quand même très beau. Je pense qu'on est tous d'accord. Oh là. Ah, ça, j'avais pas vu, tu vois. Bon, par contre, là... Voilà, ok, examiné. Herbe magique. Ok, nickel. Mais qui va être là? César Kroon. Oh bordel, l'humour de One Piece est toujours aussi présent, quoi. Ça fait plaisir. Allez hop, deuxième uppercut. Chourourourourourourourou. Ah ben ouais, sauf qu'il va revenir bien équipé, le petit César clone. Tadam. Smiley, son petit animal domestique. Oh, le jeu est trop beau, c'est un truc de ouf. Alors attention. Ah ouais, non. Si je les tape, je perds de la vie. Alors là, il va falloir attendre. Il faut faire gaffe parce qu'il envoie des petits smiley. Ah si je shot, je peux le taper. Hop, l'esquive. Oh là là, oh là là. Je me fais... Ah c'est bon, il est tombé. Allez, prends cher. Paf. Ok, donc là il s'est enfui. Putain, ils sont chiants ces petits smiley. Hop, esquive. Qu'est-ce que tu fais contre les esquives, hein? Ah là.
Là, l'esquive n'a pas trop fonctionné, hein. Allez. Par contre, je suis en feu. Et ça, c'est pas très bon signe. Paf! Ok. Oh merde! Oh merde! Là, il faut se casser. Là, il faut se casser. Partir très très loin. Parce que quand il va commencer à manger le bonbon, il va faire un bordel. Donc voilà, vous avez juste à l'esquiver en fait, et ça passe bien. Voilà. Oh merde. Merde, j'avais oublié. Shinokuni. Oh putain, il m'a touché l'enfoiré. Il m'a touché. Soigne-moi, soigne-moi. Ouf. C'est bon, heureusement qu'il m'a soigné. Je crois pas cependant qu'il va nous soigner pour toute notre vie. C'est parce que c'est les premières missions, je pense. Allez, t'es tombé, mon petit enfoiré. Ok, là, il va crever. Paf! Même pas! Crève, crève, crève! Voilà, je l'ai eu! Adieu, César. Ah, il a mangé cher. Chapeau de paille, attends. Je peux t'aider. Tes amis, je sais où ils sont. Hé, hey, Luffy, je les ai trouvés. J'ai trouvé Zoro et Franky. Nani? On dirait que j'ai plus besoin de toi. Attends, pitié. J'ai plein d'autres informations à te donner. Moi, je crois qu'il va se manger un... Oh là 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 là. Paf. Grizzly Magnum. Vers l'infini et l'au-delà, comme dirait Jesse et James dans Pokémon. Hé, hey, Luffy, par ici. Oh, Zoro, il a les cheveux bien vert fluo quand même, hein. J'ai bien dormi, hein. Pourquoi vous me regardez comme ça? On dirait que je me suis assoupi, moi aussi. Ah, vous savez que vous avez été enlevé, au moins? Enlevé? De quoi tu parles? On est retourné au bateau, on a mangé, et on a eu envie de faire une petite sieste, c'est tout. Mais où est-ce qu'on est? Enlevé aussi, je viens de te le dire. Où sont les autres? Enlevé aussi, je viens de te le dire. Luffy, tu n'es pas très clair, laisse-moi leur expliquer. Voilà, bon, là il leur explique tout, tout ce qui s'est passé. On n'a pas à se retaper toute la scène. Quoi? On doit absolument les sauver. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, ils se sont laissés surprendre par l'ennemi. Il faut vraiment être débile. Débile? Et toi alors? Tu as été enlevé aussi, je te rappelle. Quoi? Oh là là, ces trois-là ne sont vraiment pas très malins. C'est le cas de le dire. Et on a fini l'épisode 1. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné tout ça. Petit bout de bois, ferraille rouillée. On a gagné une technique. Résistance coup, plus 3%. Résistance food, plus 5%. C'est pas énorme, hein. Ah voilà, tu as obtenu, permettez-moi de m'inviter maintenant disponible, Danse du Dragon. Il est temps d'en finir, maintenant disponible, Franky Radical Beam. Donc là on a débloqué une aptitude, attaque plus 6 pour Luffy. Permettez-moi de m'inviter, d'accord. Ça c'est quoi action? Débloque la technique Radical Beam de Franky. Ah d'accord, ce sont des aptitudes. Et des capsules de soins, petit bout de bois et éclat de verre. Bah c'est pas mal du tout ça. To be continued. Est-ce qu'on s'arrête à là? Est-ce qu'on s'arrête ici? On va s'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode. La suite arrivera peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais absolument pas. Je vais essayer vraiment de vous mettre un maximum de vidéos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit j'aime si vous avez aimé. Et on se retrouve donc très très vite pour la suite de ce magnifique Let's Play. Ciao, ciao, minna!